Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 9 sur Belgique Profonde. Donc aujourd'hui on va s'occuper des patates. Donc j'ai pris une machine en mode pour aller un peu plus vite. Tout simplement elle est plus large de coupe. Au lieu d'avoir que ça de coupe, on la déplie de chaque côté. Je vais vous montrer ça au champ après, on va déjà y aller. Donc si je bug un peu plus que d'habitude, c'est normal, c'est parce qu'il y a une vidéo qui est en train de s'uploader sur YouTube. Et c'est de la 1080p 60 HD. Donc tout simplement c'est les 100 abonnés. Faut au moins 2 jours pour l'uploader, hein, tout simplement. Donc c'est normal si j'ai des petits coups de bug, hein. Des petits ou des gros. Attendez, on peut passer par là je crois. Non, ah non, c'est le champ de betterave ici. Donc on va faire le tour, hein, tout simplement. On va essayer d'en faire 2. Donc on va déjà aller commencer à ramasser. Puis après on ira chercher notre fameuse benne. Hop là. Ça change un peu d'avoir des mods de temps en temps. Ah, il y a le bruit du clignotant, c'est fantastique ça. Donc prochain épisode, les betteraves. Et après on s'occupe des animaux tout simplement parce que je suis prêt. J'ai de la paille, du foin, enfin de la paille en vrac, de l'herbe en vrac et de l'ensilage tout simplement. Je suis prêt pour faire tout ça. J'ai commencé à déchaumer un peu tous les champs qu'il y avait. Et puis après avoir s'occupé des animaux pendant un épisode. Donc sans doute qu'il sera l'épisode 11. Parce que là c'est le 9. Après le 10 aux betteraves et le 11 aux animaux. Et après on fera les semis, tout ça. Parce que là voilà, il faudra qu'on sème. Vraiment qu'on s'occupe. J'ai refait de l'ensilage pour être pour en avoir plein. Donc toc X. Je vous enlever Alt H tout simplement, ça fait plus propre quand même. Là. Bon après je crois que ça se déplie pas ça. C'est à moi de le faire. Voilà. Vous appuyez sur le point d'interrogation. Tout simplement. Ah. Ah ah. Prends avant. Tac. Voilà. Parfait. C'est bon, ça les ramasse. Bon, ça a du mal à suivre un peu la texture, mais bon. Après ça va encore. C'est l'effet qu'elle est plus large, la machine, du coup, on voit moins. Donc va falloir que je sème un grand champ d'herbe, hein, tout simplement en avoir pas mal. Comme ça, après, on sera tranquille. Enfin, de l'herbe, là, j'en ai déjà un peu, mais je sais pas si j'en ai beaucoup ou quoi. Donc, hop là. Je sais pas s'il y a beaucoup de rendement, patate, là. Mais bon, j'espère qu'il y en a un peu. Oula, tout comprenne, c'est mieux quand même. Ouais, ouais, ça va. Donc avec la mise à jour 1.3, il y a plein de modes qui sont buggés, dont le Deutz que j'ai présenté la dernière fois, le petit Deutz. Je l'avais présenté, il bug, hein, les roues, il fait que de glisser. Le Kasiach International, le 1455, là. Il y a le John Deere qui était sur les faucheuses qui est bugué aussi. Il y a quoi d'autre? C'est tout pour le moment. Il y a la moissonneuse à 770. Donc tout simplement je l'ai vendue, supprimée. Et je l'ai téléchargée la 780 je pense. Enfin, je l'ai téléchargée d'ailleurs mais là elle n'est pas dans mon dossier. Et de toute façon on n'en a pas besoin pour cet épisode. Voilà. Donc j'ai le DLC Néoland, hein, qui est là. Il est à la ferme. J'ai le gros bulle qui est à la ferme tout simplement. Pour charger l'ensilage, l'herbe et la paille pour après mettre dans la grosse mélangeuse pour faire le mélange tout simplement. Donc j'avais acheté la pailleuse mais pour l'instant j'ai pas de bottes, donc prochaine moisson je la ferai hors caméra et puis après on pressera en vidéo, là tout simplement on pressera, on ramassera, on fera ça assez bien. Au lieu de prendre notre chargeuse, pour une fois on prendra les plateaux Lambert de chez Frabel tout simplement. Et voilà, donc tout simplement pour vous dire ça, et on est à 20 tonnes déjà, 30%, ça, je crois qu'on met 50 tonnes dedans, donc on va pas arriver à faire tout le champ, mais on va déjà en faire à mon avis. Donc. Oula, heureusement que ça passe à travers, parce que en fait, j'aurais dû refaire un autre détourage. Ouais. J'aurais dû faire un autre détourage. Attendez, on va reprendre au bout ici pour le moment et puis on va refaire un autre détourage. Voilà, parfait.
Bon, il en reste un petit peu, c'est pas très grave. Donc voilà, il y a un épisode où on déchaumera. Bah là, vous pouvez apercevoir le Fane qui est là-bas dans le champ. C'est le 515, celui qui est que je mets sur la mélangeuse, la décideuse. C'est lui qui est arrivé là. Je l'ai mis sur une herse plate de 6 mètres, pardon. Bon, elle a un peu de mal hein, quand même. Il y a l'Arion 650 qui est sur un déchaumeur avant de 6 mètres aussi. C'est vrai que j'aurais pu lui mettre la herse rotative derrière, ça aurait fait un peu plus stylé, mais il avait déjà un peu de mal. Et en fait, il faut tout simplement que je retélécharge quelques tracteurs, parce que j'en ai pas beaucoup avec tous ceux qui ont le mode labour là. Faut que je voie, j'attends de voir s'il n'y a pas de nouvelle mise à jour là cet été, puis s'il n'y en a pas, bah je supprimerai le mode labour, et puis après, s'il y a une autre mise à jour et puis que ça marche, je remettrai le mode labour sur tous mes engins. Mais je vois pas pourquoi il y avait le mode labour sur la moissonneuse. Franchement, une moissonneuse qui a le mode labour sert pas à grand chose hein. Enfin, en vrai, si elle tombe dans une raie de labour, elle tombe dedans, mais voilà. Donc là où c'est labouré hein, c'est le gros déchaumeur qui est sur le Xerion. Tout simplement, j'ai pas labouré qu'une charrue hein. C'est le gros déchaumeur John Deere là. Le Xerion, il a un peu de mal quand même avec hein, un peu. Donc j'ai semé de l'ensilage. Ah oui, un épisode maïs grain aussi. Ah oui, avant d'avoir les animaux, faut qu'on fasse le maïs grain. Donc épisode 11 maïs grain pardon, et épisode 12 des animaux. Tout simplement. J'ai fait du maïs grain, il me reste j'ai ressemé un champ de colza. Alors, il me reste du colza ramassé un peu. Bon, ça me sert pas beaucoup pour les animaux. Pour les animaux, surtout l'ensilage, la paille, l'herbe. Ouais, l'ensilage, la paille, l'herbe. Il faut aussi du blé et du maïs pour les cochons. Et je crois que c'est des patates pour les pour les cochons aussi. Donc les patates, bah voilà, on va en avoir. Et puis on s'en servira aux cochons. Et puis on... en fait, on va éviter d'acheter les patates. On va les reprendre dans notre stock pour remplir le semoir à chaque fois. Ouais, voilà, 55%, ouais, ça le fait. Ça le fait pour l'instant. Ouais, franchement, je pensais pas qu'on allait aller aussi vite à faire ça. Donc, ça se trouve, on va ramasser toutes les patates. Je sais qu'il y a 3 champs. Je sais où qu'ils sont en plus. On va essayer de faire ça. Allez, une petite vue intérieure. Pas mal. Franchement, c'est la machine du jeu. Hein. Sauf que le mec, voilà, il a juste rajouté devant. Il a rajouté ça là. Et puis voilà, parfait. Elle prend pas assez large par contre. Hein. Regardez. Hop. Elle a un peu de mal. Tout simplement. Et celle à betterave, elle existe aussi comme ça. Et le nom du modeur, en fait, c'est marqué. C'est bah, je sais pas si c'est le nom du modeur. Mais sur c'est marqué Dynamics quand vous l'achetez, je crois. Attendez, on va regarder ça maintenant. Donc toc. C'est marqué voilà Dynamics NS2013 mode rue. Donc il devait être sur le 2013 ces machines là. C'est marqué pour la patate, la betterave. Et il y a une faucheuse aussi. J'avais une grande faucheuse. J'avais mis une petite vidéo sur le Facebook un jour et j'avais eu un bug avec. Et je l'avais mis sur le Facebook, donc on fera un best-of pour les 1 an de la chaîne. Ouais, les 1 an de la chaîne, c'est bientôt. Oh, ça prend pas tout là, c'est embêtant. C'est bientôt, c'est au mois de octobre que je l'ai créé. Je crois que je regarde la date. Et je ferai un best-of des bugs. J'en ai déjà 2-3 des bugs, donc. Après, il y en a plein des bugs qui existent. Vous pouvez faire n'importe quoi. Allez hop, c'est reparti. Ça tourne bien ces machines là en général. Ouais, en général. Je préfère préciser. Toc. Là encore un petit aller-retour. Et après on est bon. Hop là. Pas mal. Texture des patates, en fait j'ai regardé un peu la texture des patates, comment c'était fait. C'est vrai que c'est plutôt bien fait. Après je suis pas un maraîcher dans la vraie vie, donc je ne sais pas trop comment c'est fait, mais bon, ça doit être fait à peu près comme ça. On a tous des patates dans notre jardin, bon, à peu près tous. Hop là, donc bah par contre on va être obligé de vider la machine pour arriver à la replier. Parce que je peux aller sur la route comme ça, mais la buse ne sortit pas.
Après je peux replier devant, mais on peut pas faire mieux. Vous imaginez si on est tout fait à la petite machine en fait. Parce que vous prenez là en trois fois, la petite machine vous le prenez en une fois. Donc là en fait je serais passé, admettons sur un passage, je serais passé trois fois avec la petite machine. Alors que je suis passé qu'une fois. Donc c'est ça qui est pas mal en fait. Tout simplement. Il y a combien de tonnes? Wow, bah, ah, on met plus de 53 tonnes. Est-ce qu'on met 60 tonnes? Bon, quand même. Attendez, on va switcher un petit peu, donc ça a bugué. Donc, là, c'est pour le compost. Donc ça, je vous explique dans une vidéo aussi, bientôt. Hein. J'ai pas, j'ai trois auto-chargeuses, pardon, donc il y a du compost. De la paille, pardon. Donc c'est lui qui est bugué. Regardez, donc en fait, vous mettez une fourche dessus, vu que vous pouvez. Et en fait, vous mettez la fourche, vous levez les roues à l'avant, parce que c'est que les roues à l'avant qui bug. Et tout simplement, il marche. Parce que regardez, voilà. Il fait que de trembler, puis il glisse. Donc voilà, comme ça, au moins vous êtes... C'est lui, hein. En fait, les roues jumelées, elles s'enlèvent à chaque fois que vous éteignez votre partie. Donc j'en remettrai... Bah attendez. Non, non, c'est N, voilà. Un peu la masse MX qu'il y a devant. Air ce plate de qui vogue et je vous dirai tout ça un peu hop là. Allez hop, on est bon. Donc c'est parti. Donc sans abonnés sur la chaîne, franchement, ce matin j'ai publié sur la mes deux pages sur Facebook et le groupe où il y a Baptiste dedans et tout ça. J'avais déjà fait de la pub sur ma page. Et tout simplement j'ai marqué qui sera le 100e abonné. Je suis revenu une heure après sur ma chaîne. Et il y avait 100 abonnés. Franchement quand vous voyez un 1 et 2 0. Genre que ça fait 8-10 mois que vous êtes avec deux chiffres. Et là, j'ai pas pris la bonne route à parler moi. Que vous êtes 8-10 mois que vous êtes avec deux chiffres. Et là que vous passez à 3 chiffres. Franchement ça vous fait pas un choc mais ça vous fait vraiment plaisir. Ça vous donne envie de continuer en fait, tout simplement. 100 abonnés cet après-midi, j'en avais 101. En fait, le truc que je viens un peu de regretter, c'est de ne pas avoir mis la vidéo sur YouTube. Par exemple, avoir uploadé à 95 abonnés, même si je l'ai tourné qu'à 97, mais j'ai tourné quand j'avais 97 abonnés. Mais si je l'avais... je suis en train de penser, on va même pas arriver à tout mettre dans la benne. Ah mince. Si je l'avais uploadé à... Par exemple, ouais, à 97 abonnés, en fait, je l'aurais mis en privé, tout simplement. Et après, j'aurais juste eu marqué public aujourd'hui. Et franchement, ça aurait pu être pas mal. Après, la texture des patates, elle va même pas avoir le temps de monter dans la benne. Que tout simplement, elle va être pleine. C'est ça qui est bon, en fait. On va avoir des patates. Ça, c'est... C'est stylé. Ouais, 36 tonnes, déjà. Eh ben, on est reparti, les gens. Et on revient après. Hop là, donc on va changer de route un peu, on va pas tout le temps prendre la même non plus. J'aime mieux la vue extérieure, ça fait un peu moins bugué. Je sais pas, je trouve après. Bon, j'ai pas droit. Voilà. Ah, puis là que ça descend un peu en plus, ça n'aide pas. Ça pousse et puis c'est tout ce que ça fait. Donc franchement, le 2, je pense que je vais retirer le mois de la bourre comme sur tous mes tracteurs qui l'ont. Donc je vais les acheter un par un et voir ce qui bug parce que le gros Fen 1050 en fait il a le mode labour et franchement c'est un beau mode et c'est dommage en fait qu'il bug. Alors lui quand je vous dis qu'il bug c'est une catastrophe. Hein. Vous l'achetez, vous le retrouvez 50 mètres plus loin 20 minutes après. Il fait que de bouger sur votre map. Sur votre map, pardon. Hop là. Et en fait je veux. J'ai pas envie de parce que j'avais désinstallé mon jeu. Donc parce que j'arrivais pas à avoir la mise à jour 1.3 justement. Et franchement au début il y en a qui m'en parlaient et tout ça, j'ai pas envie de la télécharger apparemment. C'est vrai qu'elle est buggée, hein, ça c'est vrai. On glisse quasiment plus avec les véhicules. Mais elle est buggée. Elle a plus de bugs que de bons côtés en fait. Et ça le problème en fait, pour le chargement des parties, Sabatiste, il me l'avait dit. Il m'avait dit tu verras tes parties elles vont charger, mais alors à une vitesse hallucinante. Et c'est vrai que. Des fois je mettais 5 minutes à charger une partie hein, façon de dire. Et là maintenant je mets à 2 minutes. Ah mince, cogné. Fait bien que ça arrive.
Hop là, on va vider ça là. Ça va nous faire une patate. Il ne manquera plus que des betteraves. Hein, mais bon, si on n'en a pas besoin. De toute façon, on va les faire dans le prochain épisode. Betteraves, tout simplement. Comme ça, ça va occuper un petit peu. Là, il y a de quoi faire 4-5 épisodes d'affilée. Hein. Puis il y a tout le temps des trucs à faire. Tout le temps. Tout le temps. Elle est pas mal cette benne, n'empêche. Elle est haut et tout ça en plus. Hop là. C'est reparti. Par contre, le Mercedes, lui, il est à peine assez gros pour aller dessus. Mais c'est vrai que j'aime bien. Il a un beau bruit. Il est pas mal. Mais il fait pas sa puissance. Il fait pas sa puissance. Et ça, je sais pas comment on corrige ça. Ils annoncent 232 chevaux quand on l'achète. Mais franchement, 232 sur une 3 essieux, ça devrait plutôt bien aller. Plutôt, je dis bien. Après, si vous avez 350 chevaux, c'est beaucoup mieux. 350 chevaux, c'est beaucoup mieux pour tirer une 3 essieux. Mais 350 chevaux, il va la tirer peinard, one ben. 232, il va avoir un tout petit peu de mal. Voilà. Mais bon. Ça le fait quand même. Mais lui, franchement, il a vraiment du mal. Pas pareil. Donc s'il reste des petits bouts, hein, c'est que c'est l'ouvrier qui m'a travaillé ce champ en fait, tout simplement. Et donc c'est pour ça qu'il y a des petits bouts un peu partout. Hop là. Allez, on va laisser la benne là. Après on va emmener la machine au prochain champ. J'espère qu'on va arriver à tout mettre dedans. Logiquement oui, hein. Je dis bien logiquement oui. Et après je sais pas. Hop là, on va replier ça. Parce que alors là, si on s'en va sur la route comme ça, ça fait stylé. Mais bon. Hop là. On va se rendre aller par là, tout simplement. Il y a un champ qui est là-bas, près de l'ETA, à côté du champ de colza. Donc j'aurais pu mettre patate et betterave dans le même épisode. C'est vrai que ça aurait pu être plus simple, en fait. Et je vais faire un épisode patate, un épisode betterave. Voilà, je sais pas pourquoi. J'aurais pu regrouper, ça aurait été beaucoup mieux. Après, ça va faire deux épisodes un peu moins longs en fait. Parce que je sais qu'il y en a, ils vont couper la vidéo. Enfin, tout le monde fait ça. Ils regardent le début, puis ils coupent. Ils regardent tout quand ça leur plaise en fait. Mais bon, après, s'ils ratent quelque chose, ils comprennent pas la suite en fait. Tout simplement. Après, c'est dommage, hein, mais c'est pour eux. Moi j'y peux rien, je ne fais que tourner, même si c'est des heures et des heures de boulot. Hein. Franchement, bon là ça fait un petit moment que la partie est prête à tourner, donc je case un épisode là ce soir. Bon, maintenant c'est fait là, donc là si c'est pas déchaumé, c'est qu'on mettra peut-être du compost, après je sais pas. Peut-être du compost, hein. On verra bien, ou de la chaux, on mettra... Je vous ai dit, vous avez vu, il y a plein d'épisodes à réaliser. Plein. Moi, j'ai oublié de mettre mes petits gyros. Même si à YouTube, qui upload une vidéo. Bon, là, ça le fait. Surtout arriver à la ferme, ça bug un tout petit peu plus. Et j'ai retéléchargé la classe Jaguar 870 V1, comme je vous l'avais expliqué dans Vallée de l'Orge, il me semble. La V2 a été prise par quelqu'un d'autre. Et modifiée, tout simplement. Donc, voilà. Donc... Hop. Donc nous on va mettre un ouvrier en fait, tout simplement. Il va faire un peu le début du champ, parce qu'à la fin il pourra pas en fait, parce que le champ est vraiment bête, faut dire ce qu'il est. Et tout simplement, donc là le déchaumeur, voilà. Ah, le DLC. Le DLC Néoland. Donc voilà, le godet, hein, c'est celui d'origine du jeu. Voilà, donc il est gratuit, mais bon après il y a l'ancileuse qui est sortie avec à... 6,99 ou je crois 4,99, hein, pour une ancileuse, franchement ça fait cher, donc faut croire, hein, il est compris dedans le DLC, mais là vous le téléchargez gratuit tout simplement. Et franchement il est magnifique, j'aime bien l'histoire des deux petits gyros là, c'est en haut de cabine. J'ai jamais vu en vrai des machins comme ça. Ça existe en fait, je pense, parce qu'il y en a qui n'en parlent, mais j'en ai jamais vu, je sais pas. J'ai pas le télescope. Hein. Toc, toc. Ça vous connaissez un peu plus là. Hop. Ah, le steer. Bah tiens. Allez hop, same, ça sera fait. Voilà, comme ça au moins il est reparti à semer lui. On est à combien de tonnes nous dans tout ça? Ouais, déjà 50%. Allez hop. Attention, petite vue intérieure. Ça bug un petit peu plus. Je vous l'accorde, ouais.
Ouais, c'est vrai que ça bug beaucoup plus, hein. Je baisse de 10 FPS. Oula, 10 FPS en vue intérieure. Et je viens de me bouffer la deuxième barrière, hein, depuis tout à l'heure. Fait beaucoup. La benne, j'ai pas l'impression qu'elle se salit plus. Lui, il commence à se salir, le MB-Track, mais il met beaucoup de temps à se salir. Mais après, quand il est sale, franchement, il est magnifique. Là, j'avais pas fini les petits bouts. Mais bon, c'est pas très grave encore. Là. Allez hop, let's go. Hop là. J'ai essayé de trouver un champ carré pour l'herbe. Donc je pensais au champ. Alors attendez, laissez-moi regarder. Le champ 32. Il est à peu près carré. À peu près. Parce que sinon il y a le 22. Ah ouais, le 22 il peut être pas mal. Ah, le 22 est mieux. Le 22 est mieux, en plus c'est plus près de la ferme. Ouais, le 22 et au pire le 21 si ça suffit pas. Ils sont mieux. On ira semer le 22, je sais pas quand. Dans un épisode, ou alors je le ferai hors caméra. Tout simplement. Donc j'ai deux semoirs, hein. J'en ai un de 6 mètres qui est là-bas logiquement. Attendez, hop là, ouais là-bas, on le voit en jaune là-bas, jaune et rouge. Il y a un peu de blanc dessus. Et le 4 mètres que vous avez vu sur le steer, le sulky donc. Tout simplement. Bon, les patates, elles sont immenses. Hein. Ici, elles doivent faire 2-3 kilos chaque patate. Bon, ça fait des patates au moins. C'est vrai que ça, les textures, ça a pas tant, ça a pas trop été changé du 2013. Après, c'est qu'un détail. On s'en fout un peu. Hop là. Go. Allez, on va rejoindre. On va rejoindre la machine à patates là. Et puis je crois qu'on va faire que les allers-retours, hein, quasiment. Hop là, je passe par là. Allez hop. Oula. Ah, voilà, là ça bug un peu moins. Par ici en vue intérieure. Ouais. Un peu trop freiné. Moi, elle en est où notre machine? Je la vois pas. Les rétros sont hyper bien réglés là-dessus, ça c'est tip top. Ah bah elle arrive. Hop là. On va voir un petit peu à combien de pourcents elle est. Et puis on va la regarder un tout petit peu travailler. Et puis après on va reprendre. Ah déjà. Eh ben on va vider en roulant les gens. Je vous l'ai dit, on va faire que des allers-retours. C'est vrai que c'est pas ma plus grosse benne, parce que la plus grosse benne c'est celle en silage, mais c'est vrai qu'il faut que je m'achète une plus grosse pour le grain. Bah, faut que j'en télécharge une peut-être mieux qu'un. Parce que j'ai la crampe en plus grosse, hein, mais après voilà, avec la crampe on fait pas grand chose. Hop là, et vas-y, je t'attends, on va vider. Comme ça nous on repart, bah vider tout simplement aussi. Parce qu'on va la remplir, j'ai vu qu'il y avait 37 tonnes il me semble. En plus elle se remplit assez vite cette benne. Enfin les patates coulent assez vite en fait, surtout ça. Je suppose qu'on est plein. Ouais, allez hop. Ah, le temps qu'on aille vider et qu'on revienne, hein, elle va pas être tardée à être encore une fois pleine. Donc là j'avais dû passer de la débroussailleuse à mon avis. Parce que. Mais elle me fait bugger, donc je l'ai vendu à des broussailleuses. Elle m'a fait planter ma partie 3-4 fois. Donc, franchement, c'est un peu embêtant. Hop là. Je sais pas ce qui s'est passé là. On va passer par là. En fait, on change quasiment de route à chaque fois qu'on repart. Là des patates, on commence déjà à en avoir. C'est pas mal. Bon après voilà, vu qu'il faut en donner aux cochons, je crois. C'est que aux cochons. Au veau, on doit pas en donner. À moins qu'ils aient pété un câble et qu'on donne des patates aux veaux. Ouais, peut-être. Et surtout aux cochons qu'on en donne. Et après, voilà, j'ai tout gardé. Parce que pour en replanter,
Et bah tout simplement, on les prendra dedans, les chargeurs engodés. Je sais pas si en vrai, si en vrai ils font ça, j'ai déjà vu des vidéos sur YouTube. Ils prennent, ils ramènent et ils rechargent dans leur benne, ils ramènent ça au champ et puis voilà un peu le truc. Après il y a un champ par là, si on file le champ 23 si je me trompe pas. En face le biogaz. En face le biogaz. Hop là. Ou encore que j'achète quelques outils pour les vaches. Tout simplement il me faut une tonne à eau et une tonne à lait. Enfin on va prendre la même mais. On est à combien de tonnes de patates? Patates, 80 tonnes. Vous voyez déjà, on risquerait d'avoir 300 tonnes à la fin de la récolte. Soit à 300 tonnes. Je pense pas qu'il n'en va beaucoup au cochon. Donc ça va le faire. Ah, il est bizarre quand t'es vide à la fin la benne. Un peu bizarre. Hop là. Bon, on va peut-être pas encore être pleine. J'aurais encore pu changer de route. Hein. Mais après ça nous rallonge. Mais bon, allez hop, on est reparti comme ça. Donc elle est là la grosse benne Kawiko, trois essieux. Pour l'ensilage surtout. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle nous sert pas souvent. Hop là. Donc les trois auto-chargeuses qu'on a vues au compost tout à l'heure, simplement je vais en revendre deux, je vais garder que la classe. Hop là, je vais garder que la classe. Puis les deux autres je vais les revendre parce qu'en fait à mon service qu'en fait je voulais pas vider la paille là-bas. Donc tout simplement j'ai chargé les trois. Et tout a même pas rentré dans les trois, j'étais obligé d'aller en vider à la ferme. Donc, parce que j'avais dit que j'arrêterais après un champ. Mais parce que là je commence à en avoir beaucoup de la paille à la ferme. J'arrive. Je sais pas comment on voit ça. Je suppose qu'elle arrive. Ouais à peu près. En fait elle fait un aller-retour avant d'être pleine. Donc en gros on l'attend. On l'attend. Bon là pour l'instant aujourd'hui on a fait avec cette grosse machine, mais la prochaine fois qu'on fera des patates, on fera peut-être avec la petite machine et puis les cases ou les T6 là, à roue étroite. Ils sont vraiment magnifiques ces tracteurs là. Peut-être qu'on les prendra. Peut-être. Ouais après là encore 2-3 tours et puis après va falloir que je reprenne le mouvement de la machine. Simplement. Ouais je pense pas qu'elle se salit plus, mais elle a une belle texture de salissure en fait. C'est ça qui est magnifique en fait. Après c'est dommage qu'il n'y ait pas un peu le haut de la caisse qui se salisse. Pas complètement tout en haut, mais genre un peu là. Voilà, juste là et puis après. Ça ferait un peu plus stylé. Je sais pas si ça ferait plus. Ça par contre j'aime bien les traces derrière. En fait on a l'impression que c'est les pneus qui ont envoyé des salissures. Il manquerait plus que les pneus quand on roule qu'ils envoient des petits. Il y a de la poussière mais qu'ils envoient des petits jets de terre, ce serait pas mal. Je me suis mis là. Sauf que la machine, elle va être là. Donc logiquement, si je me mets là, on est parfait. On va reculer un petit peu. Ah ouais, ok. Bah, faut que je reprenne le contrôle maintenant. En fait le champ est tellement bizarre celui-là que en fait elle va tout simplement elle a glissé en fait là il y a un côté qui touchait plus le sol et puis c'était l'autre qui faisait appui. Allez hop go. Allez, en fait nous on fait que de rouler. Ouais, c'est pas mal. Et on est reparti. Genre après j'aurais pu mettre ça en tas dans le bout du champ. Hein. DD mode passion. Ah ça doit être lui le réalisateur. Je sais pas, après je dis ça. J'ai l'impression qu'elle commence. Oula, attendez, attendez. Qu'elle commence à se salir en haut. Peut-être. J'ai pas encore lavé cette benne donc. M'en suis pas trop servi en fait. Elle est magnifique, hein, je l'avais. Ça faisait un moment que je disais qu'il fallait que je la télécharge, mais toujours pas téléchargée. Maintenant on l'a. C'est pas mal. En fait on a 4 bennes à la ferme. Mais bon. Donc des semences hein, j'en ai ramené. Maintenant le blé je le stocke. La semence de blé je stocke à la ferme. Je sais même plus si j'en ai d'ailleurs.
Bah, de toute façon, j'en ai semé un champ, donc. Il me semble. Là, c'est de l'or, du colza qu'il est en train de semer, le styr. Ouais, j'ai semé un champ de blé. Comme ça, on aura de la paille et... de la semence. De la graine. Donc, la paille, je pense que je vais la garder hein, pour le compost, tout simplement. Bon, après, quand j'aurai 200-300 tonnes de compost, j'arrêterai la paille. Tout simplement, et puis ça me fera déjà ça de moi, en fait. Mais là, après, là, dans le champ que j'ai ressemé, je pense que je vais presser la paille, parce que j'ai dit qu'on fera un peu de bottes. Donc, on rangera un peu de bottes à la ferme pour pailler avec la pailleuse, vraiment, parce que sinon, on va être obligé, là, pour l'instant, je vais être obligé de faire avec la décileuse, on va charger en vrac dedans. J'espère qu'on peut. Et puis, on va faire comme ça pour le moment. Là. Je cogne de l'autre côté. Oui, bon, on va dire que c'est bon comme ça. Ah, c'est vrai que c'est des maxi patates là-bas. Ouais, c'est maxi. Allez. Ferme, nous repart. Regardez quand t'es vide à la fin. Vous avez vu, elle redescend et remonte. C'est une petite, petite animation, c'est stylé. Comment on enlève déjà les panneaux? Ah, c'est V. Oh la vache. Non. Attendez, on va attendre que la porte soit baissée. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est V. Franchement, elle est bien comme ça aussi. Je sais pas si on met 36 tonnes, par contre. Je sais pas. Bon, peut-être pas quand même. Moi, je la monte comme ça. Moi... Il n'y a plus la clôture, c'est un peu dommage parce qu'en fait en enlevant le monument aux morts ils ont enlevé toute la clôture. Ça fait un peu bizarre. Là il y a un petit bug sur la route en fait quand... Je sais pas si vous avez vu mais il y a la terre qui clignote et qui remonte par-dessus la route. C'est tout simplement qu'il faut rabaisser un peu le terrain en dessous de la route à cet endroit là. C'est tout simplement ça. C'est simple. C'est pas bien compliqué à faire. Hein. Mais faut le faire. Moi je le ferai pas mais je m'en fous en fait. J'ai pas envie d'ouvrir Belgique profonde exprès pour ça. Si je trouve des gros bugs que je peux modifier, moi je le ferai mais. Encore pleine? Ouais. Encore 70%. On va voir ce que ça donne là, elle va glisser, je suppose. Si vous regardez le terrain, vous avez vu, là, il va vraiment débile là. Ouais, il y avait encore l'ouvrier. Je croyais qu'il allait se déclencher tout seul, mais non. Toc, donc on va vider nous déjà. Ah non, on va regarder, on va la remplir à max pour voir la capacité un peu qu'elle a. Je pense que c'est 60 tonnes, je pense. Après, je sais pas. Je peux me tromper. Hop là, c'est reparti. Comme ça on va refaire un petit peu. Voilà, vous croyez, on croit en fait que le champ il est fini à cet endroit là, mais en fait il en reste encore plein. Il en reste encore pas mal à faire après. Moi ça fait ça. Ça fait ça de plus, mais j'aime pas trop ce champ en fait. Je pense pas que je sèmerai assez souvent. Bon, on verra. Je sais pas encore aussi si je vais faire du bois sur... sur cette série de Belgique profonde, je sais pas, à voir. On verra plus tard. On verra. Si j'en fais, ce sera pas bien souvent. Hein. Ce sera vraiment de temps en temps, je pense. Toc. Donc on a combien? Ouais, on doit mettre 60 tonnes. Hop là, petit coup de bug, je sais pas ce qui s'est passé. Mais bon. Franchement, il n'y a pas beaucoup de rendement, hein. Ça y va pas beaucoup les patates là. On dirait des pierres quand ça tombe. La texture est bien faite ici par contre. Moi je dois en laisser, non? Ça va. J'en laisse pas trop, donc c'est parfait. Ouais voilà, 58 tonnes. 60 tonnes en tout. Là on est à 50. Ouais, ça doit être ça.
60 tonnes, c'est déjà pas mal pour une machine comme ça. J'ai pas le mode vitesse, donc je sais pas, on y va à pied ou on y va pas à pied. Ouais, wow, il est pas si loin que ça. Il en reste un peu. Vous voyez, hop, on voit sous terre. En fait, des fois, quand vous regardez comme ça, vous pouvez voir les bugs. Voilà, sur Belgique profonde, c'est pas ce que vous allez trouver le plus, à mon avis. À mon avis. Tac. Alt H. On va le démarrer pour que ça soit plus simple. Et c'est bon. Tac. Je sais pas si on essaye comme ça. On va regarder. J'ai jamais essayé comme ça. Donc on va voir combien on met dedans. Tout à l'heure on mettait 36 tonnes avec les Rios. Donc on va voir ce qu'on met dedans. L'eau. Ça va être dur. Mettre un petit coup de sauvegarde quand même, au cas où, on sait jamais. Hop là. On va voir si la texture, si le volume plane est bugué. Non, apparemment il n'est pas bugué le volume plane. Mais je pense pas qu'on puisse mettre 36... Ah déjà ? Il n'y a rien à l'arrière. On doit mettre 30 tonnes là, non ? 29, ah oui. Bah là on peut faire... Là on fait deux tours. Deux tours avec ça. C'est pas... Pas faire grand chose avec ça. Bon, allez hop, on ramène ça à la ferme. Et on revient, on remet les Rios. Et comme ça on ramènera tout normalement. On mettra tout dedans. Normalement. Hop là. Ah, une voltige, ce serait que. Hop là. Il commence à se salir, il commence. Pas faire grand chose encore, mais. Ah, il est pas mal sans les Rios aussi. Mais le volume plane, c'est pas. Il est pas beaucoup. Comment dire. En vrai, on peut en mettre beaucoup plus que ça. Déjà derrière, il n'y a rien. Dans les coins, il n'y a pas grand chose. Après, c'est le volume plane de farming. Ça. Je sais pas ce qu'il y a en fait cette année. Ils auraient laissé celui 2013, ça aurait été beaucoup mieux. Parce qu'en fait, on, ça charge pas partout. Dans les bennes, il y a des endroits où ça charge moins. C'est bizarre. Je sais pas. Hop là. Ouais, sûr que de rouler à 50 là-dedans, ça le fait pas trop des fois. C'est vrai que ce farming c'est pas pareil que dans la réalité, donc on a tendance à faire les choses un peu plus rapidement. Enfin même beaucoup plus rapidement. On roule à 50 dans les cours et tout ça. Bon, en vrai déjà en France il n'y a pas beaucoup de tracteurs qui roulent à 50. Là, je parle en France, en Allemagne ils roulent tous à 50. En France on est 40 normalement. Il y a quelques-uns qui vont à 50. Ouais, c'est rare. C'est rare. J'avais même pas remarqué qu'elle était faite comme ça en dessous. Ouais, c'est bien fait. Oui. Franchement, c'est stylé comme ça. Donc moi, écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Et ciao et salut tout le monde.